N'hésitez pas à approcher là-bas derrière, il reste de la place. Ce qui nous révolte, c'est les devoirs à la maison. Ce qui nous révolte, c'est les injustices entre les hommes et les femmes, parce que les femmes ne sont pas bonnes qu'à faire les enfants et les éduquer à la maison. Ce qui nous révolte, c'est qu'il y a plus de mots grossiers qui qualifient les femmes que les hommes. Ce qui nous révolte, c'est les guerres. Ce qui nous révolte, c'est la politique. Ce qui nous révolte, c'est les préjugés envers les gros, les roux, les noirs, les étrangers, les religions, les chiens sans poil. On ne laisse aucune chance à la personne. Ce qui nous révolte, c'est les inégalités. Ce qui nous révolte, c'est la pauvreté. Ce qui nous révolte, c'est le harcèlement. On trouve ça facile de se cacher derrière un écran. Et tout ça pour critiquer et insulter de manière anonyme. Ce qui nous révolte, c'est les embrouilles au collège. Ce qui nous révolte, c'est mon emploi du temps. Ce qui nous révolte, c'est la vitesse du temps parce qu'on ne voit pas les années passer. On n'a pas forcément le temps de profiter, les vacances passent trop vite. On voit nos parents vieillir et nos proches mourir. Ce qui nous révolte, c'est une société qui rejette, qui exclut, qui met de côté. Ce qui nous révolte, c'est ce qui nous révolte, c'est le réchauffement climatique. Ce qui nous révolte, c'est le terrorisme, parce que c'est au moment où on s'y attend le moins que ça arrive. Ce qui nous révolte, c'est ce sont des gens qui pensent qu'ils peuvent décider de qui doit vivre et qui doit mourir. Ce qui nous révolte, c'est la justice. Ce qui nous révolte, c'est le viol. Ce qui nous révolte, c'est les dates de péremption, parce qu'on met les personnes âgées en maison de retraite comme on met un yaourt périmé à la poubelle. Ce qui nous révolte, c'est nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus être jugés sur l'apparence. Nous voulons croire en nos rêves. Nous ne voulons plus risquer de mourir à chaque fois que l'on sort. Nous nous sentons prisonniers de ce monde. Nous ne voulons plus courir après le temps. Nous ne voulons plus d'une société qui rejette, qui exclut, qui met de côté. Nous voulons pouvoir être nous, partout et tout le temps. Nous ne voulons plus d'un chef qui décide. Nous voulons décider entre nous. Nous voulons une vie où chacun peut trouver sa place. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas indécisibles pour le marketing et la publicité. Nous voulons reconstruire un nouveau monde. Nous voulons des excuses de la part de ceux qui ont saccagé notre planète. Nous voulons avoir un avenir où nos libertés ont un sens. Nous ne baissons plus les yeux. Nous ne voulons plus une terre. Nous voulons rêver et construire. Allez, bisous, c'est tout, c'est tout.
Du coup, merci à vous. Merci évidemment au collège Jacques Prévert. Alors, bon, ça va paraître, hein, on va avoir l'impression de cirer les pompes comme ça, mais on a été super bien accueillis. Je pense à Madame Procureur, je pense aux profs, en salle des profs, aux selfs, quand on les croisait. Vraiment, tout le monde a été chouette avec nous. Les élèves nous ont fait un accueil mais extraordinaire. Vraiment, c'était un plaisir. Enfin, nous, on n'a pas l'habitude de se lever pour 8 heures, franchement. En tant qu'artiste, on n'est pas des élèves tôt, et c'était quand même un plaisir de venir malgré ça. Ça a été vraiment chouette. Merci à tous les élèves qui, évidemment, vous ne voyez pas là, mais que vous avez vu, vous donner les programmes, vous expliquer un peu comment tout ça se passe, et qui vont continuer de le faire, qui vont vous servir un apéro. Merci, voilà, c'est les troisièmes anneaux, ils se reconnaissent ici. Merci à tous les élèves qui ont participé, merci à tous les enseignants, personnel administratif, OSEL, qui ont participé, se sont prêtés au jeu des questions, c'est pas facile pour eux non plus. Voilà, vraiment merci à toute la facilité administrative qu'on a eue, alors nos financeurs évidemment, donc le département du Pas-de-Calais qui est présent ce soir et c'est méga chouette, Artois Com qui est sans doute présent mais que je n'ai pas encore croisé, et puis nous-mêmes. Oui voilà, et un spécial big up méga super pour la superstar de ce projet, Nadège Frémont. Qui fait, comme beaucoup de profs ici, qu'il y ait énormément d'élèves qui découvrent culturellement, humainement, beaucoup de choses, avec plein de projets dans tous les sens. C'est un truc qu'on voit rarement, et à Oudin, il y a vraiment cette chance-là, ne lâchez pas ce truc, il y a vraiment une ambiance extraordinaire, et vos élèves, vos enfants, c'est eux qui en bénéficient le plus. Du coup, mais continuez à faire des projets, continuez à faire rêver et les élèves et tous les gens qui les entourent. Félicitations aux profs, félicitations à l'équipe encadrante. Ne lâchez rien, continuez à faire de la culture dans les établissements, c'est génial. C'est ceux qui vont aller construire le monde de demain et c'est super. Sur ce, de manière plus plaisante, allons boire un coup. Donc, l'arbre est toujours disponible. Ils ont été insupportables. L'arbre est toujours disponible, c'était un peu bouché tellement vous êtes nombreux, donc là vous pouvez continuer à y aller pendant que les arsous ils vont pouvoir aller boire un coup du côté du self et grignoter quelques petites choses. Voilà, merci, bonne soirée et merci beaucoup d'être venus.